Haitian Coffee News. Dorénavant, c'est avec un tasse café bien chaud, nous prenons l'informer. Haitian Coffee News, sous Guiwewe Radio, pour tout ça qui a passé en Haïti, à tout côté qui vient ici sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial, Yves La Fortune. Toute nouvelle, tout côté, Pierre-Renel René, à tout causé sous immigration. Et puis, tac-toc, tac-tac. Tac, avec Lydia Alexandre, tek tek tek. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News, sous Guy Wewe Radio. Sponsor, what you gonna do? Haitian Coffee News, dorénavant, c'est avec un tasse café bien chaud, nous prenons l'informer. Haitian Coffee News, sous Guiwewe Radio, pour tout ça qui a passé en Haïti, à tout côté qui vient ici sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial, Yves La Fortune. Toute nouvelle, tout côté, Pierre-Renel René, à tout causé sous immigration. Et puis, tac-toc, tac-tac, tac-o-tac, avec Lydia Alexandre, tek tek tek. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News, sous Guiwewe Radio. Sponsor, what you gonna do? Bonjour, 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 bonjour. Ça dépend encore de l'heure où écoutez-nous. Eh bien, bonsoir, 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 bonsoir. Rassemblez, café à Paris, vini, puis prêt pour prendre ta sport là. L'irrité pour dire comme on voulait. Bichat a dit, est-ce qu'on voulait un petit pain? En tout cas, quelle que soit préférence, nous, gué café pour nous toutes. N'a pas commencé par servir Moun qui accompagne dans le studio. Yves, sous bord gauche, moi, Guy, sous bord droite, moi, bonjour, bonsoir, monsieur. Et bon café. Bonjour Pierre-Renel, bonjour à tous les auditeurs, internet, internautes. Merci parce que vous avez boire café avec nous. Moi, c'est Yves La Fortune, en face moi c'est Guy Weben Guerrier. Je dis à l'heure parler dans le micro, la fait manœuvre technique. Yo. Haitian Coffee News avec Pierre-Renel René. Haitian Coffee News sous Guy Wewe Radio. Radio a pi gros plateforme qui gagne sous réseau a nous c'est chaîne Coffee News yon pont pour relier haïtien ici tout comme à l'étranger. On nous garde très rapidement qui ça nous pral ouais matin comment nous pral séparer café a ben j'en connais déjà li toujours bon pour démarrer journée nous dans la prière nous gon spot qui deal même gens à émission ça même gens à principe qui voulait nous démarrer dans la prière un bien encore je dis à démarrer en priant pour ça n'aprélé yon fois encore pasteur Jean Numan en Massachusetts de la prière à la réflexion éditorial Yves La Fortune invité yon fois encore pour réfléchir sur concept la mort dans contexte haïtien en occasion semaine cette l'un côté chrétien tout partout à travers monde là à commémorer la mort Jésus-Christ. Actualité à matin, dans la capitale Haïti, pays côté soutien, bandits toujours en contrôle, ville ça, en pile coup de zame chanté dans la nuit, hier soir pour l'ouvrir matin sur l'aéroport, route aéroport, zone aéroport jusqu'à Delma, Delma 19, Delma 31. Et pendant temps ça, rencontre a multiplié pour si conseil présidentiel l'a installé pour pita, semaine qu'a vini là, Bruno Pierre, ses correspondants permanents nous, n'importe où presse. Et puis qui ça, qu'a fait dans la communauté nous, Yves La Fortune, Jeff Lozama, recevoir pour nous mater Ariel Dominique dans Join Community. Nous pourrons parler avec lui sous travail, organisation lab dirigée et d'ici à fait nous collecter informations sous base enquête pour évaluer et identifier potentialité. Communauté nous, et tout de suite après, nous recevoir Ron Cito, Francis, un leader très influent dans la communauté. Il pourrons parler avec nous sur comment migrants sont même capables orienter yo pour réussir. Voilà, yon l'idée, Yves La Fortune toujours café à passer par les matins. On a gagné pour la qui est-ce là, oui. Comme invité du jour, on a gagné Maître Camille Edouard Cap Fonti Roundup pour nous sur l'actualité. Haitian Coffee News. Dorénavant, c'est avec yon tasse café bien chaud, nous prenons l'informer.
Haïtien Coffee News sous Guiwewe Radio pour tout ça qui a passé en Haïti à tout côté qui vient haïtien sous la terre. Haïtien Coffee News, éditorial Yves La Fortune, toute nouvelle, tout côté Pierre Renel René à tout causé sous immigration. Et puis tac toc tac 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 ou tac à Lydia Alexandre tec tec et dec. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News, sous Guiwewe Radio. Sponsor, what you gonna do? C'est force, c'est énergie. Nous besoin dans toute situation, particulièrement dans situation pays nouillé. Jodia, un pays avec un pile incertitude. Nous prions le prier, j'en t'ai annoncé, et c'est avec pasteur Jean-Luma. Il est toujours bon pour nous commencer journée avec la prière. C'est peut-être ça, dans Haitian Coffee News, c'est avec la prière nous dit bonjour. Bienvenue à la prière du matin. Haitian Coffee News, sous Guiwewe Radio. Haitian Coffee News, dorénavant, c'est avec une tasse café bien chaud, nous prenons l'informer. Haitian Coffee News sous Guiwewe Radio pour tout ça qui a passé en Haïti à tout côté qui vient haïtien sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial Yves La Fortune, toute nouvelle, tout côté Pierre Renel René à tout causé sous immigration. Et puis tac toc tac 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 ou tac à Lydia Alexandre tec tec et dec. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News sous Guiwewe Radio. Sponsor, what you gonna do? Quel que soit foi ou quel que soit croyance, nous allons prier ensemble. Et c'est avec pasteur Jean-Luma qui est avec nous depuis Massachusetts. Bonjour, pasteur Jean-Luma qui est invité pour prier avec nous matin. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Pasteur, bonjour. Non, dis bon Dieu merci. Encore une fois, nous là avec vous. Non, chaque fois que nous avons l'opportunité pour nous capables de lever, le matin, c'est une grâce, bon Dieu fait nous. C'est pour raison ça, nous sommes contents que nous mettions le premier pas à l'éternel. C'est lorsque Père nous bénit, nous remercions parce que c'est bon Dieu, nous c'est maintenant, c'est rédempteur nous. Matin, c'est là encore une fois. Nous venons côté comme un bon berger et qui débaille la vie pour nous-mêmes. Et qui baille la vie pour chaque serviteur qu'on choisit dans la radio ça. On va couvrir, on va guider, on va diriger. Chaque auditeur matin, cap tendez message ça, cap tendez que donc nouvelle ça, que donc Haitian Coffee News permet que le projet ça capable à réaliser chaque jour. Que non capable glorifier, que non capable bénir. Encore une fois, personne. Haïti nan men. Mauvaise nouvelle yo capable transformer en bonne nouvelle. Que donc leader yo nan men. Que moun ka prendre des décisions pour pays ça nan men. Permettre que capable prendre des très bonnes décisions non pas pour intérêt personnel mais pour eux-mêmes même. Et matin côté on parle traverser pour regarder comment Haïti a dépéri et quoi qu'on bon plan pour nous-mêmes. Mais Jonathan nan men. Mais Pierre nan men, mais Yves La Fortune nan men, mais Guy nan men. Mais chaque invité, matin ça, dans mer, et pour communiquer ça, capable d'aller de victoire en victoire. Que nous capable glorifier. C'est dernier sorti nous pour semaine ça. Permettre que nous sommes capables de finir et nous capables de souhaiter chaque monde un bon week-end dans le Seigneur. C'est ainsi que nous prions, personne. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est tout qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.
pour nous commencer la journée avec la prière. C'est peut-être ça, dans Haitian Coffee News, c'est avec la prière nous dit bonjour. Bienvenue à la prière du matin. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio. Nous souhaitons prier, moment arrivé pour nous réfléchir. Réflexion en Sénat éditorial Yves Lafortune, matin, nous allons encore réfléchir sous l'an mort dans le contexte à côté chrétien à travers le monde à célébrer l'an mort Jésus-Christ. L'éditorial de Haitian Coffee News avec Yves Lafortune. Haitian Coffee News, sous Guy Wewe Radio. Est-ce que c'est dans le cadre de l'an mort Jésus-Christ que l'éditorial l'a inscrit matin? Au fait, non. L'a inscrit plutôt dans un discours que Docteur Lamour, Sabine Lamour hier, dans le cadre d'intervention, le fait sur question de la mort, comment la mort a côtoyé nous, comment la mort a circulé. Et puis, c'est comme si nous venions dans un pays de mort. La mort frappée dans la fenêtre, nous, la mort frappée dans la rue, la mort dans le fétail. Et puis, nous commençons un rapport avec mort qui n'est pas catholique, l'homme dit catholique, c'est-à-dire qui entre dans sa longue fracture symbolique. Une fracture symbolique, c'est une image qui frappe symbole et puis qui crase une série de croyances en dans communauté. Ça veut dire que si n'a pas les pour capable comprendre fracture symbolique là, l'on prend par exemple époque yodo que grande dame qui prend Maril, lui mettait le nom d'oum, la paix couper pied, couper tête pour couper mot souvienne pour e bay voisine, ça sont fracture symbolique. Le par exemple nous gagne un sénateur qui n'en volait etc. Ça, son fracture symbolique. C'est-à-dire que c'est, ça frappé, ça marqué l'institution. Donc, dans le cadre d'intervention, Mme Lamoulin, hier, il était traité question Morio et il était voué dans le chercher un bagaille. Ça veut dire nous avons créé une pensée haïtienne. Pensée haïtienne, on dit par exemple, nous supposons que aujourd'hui, avec l'ONU qui commence à parler de journée de sépulture, donc est-ce que nous-mêmes, qui dimension nous par rapport avec mort nous yo. Ndame font comparaison entre cimetière qui gagne aux États-Unis yo et cimetière qui gagne en Haïti. On toujours prend temps pour me garder pour m'entrer dans rue Monseigneur Guillou ou bien mal entrer dans rue l'enterrement pour me garder gens nous traiter mort nous yo. Même monter dans route frais côté qui relève parc du souvenir. Et puis pour me garder que ce soit dans dans n'importe côté dans Floride là, dans États-Unis, dans New York City, dans n'importe l'autre état aux États-Unis. Nous c'est humain, nous gagnons une capacité de création pour nous faire belle bagaille, je dirais. Comment fait cimetière côté moun yo reposé ici en propre? Gen moun gen des côtés par exemple dans cimetière ici, yo tout fait un lieu de dévotion, moun qui passé soit qui viennent font dévotion quelconque ou bien qui viennent font recueillement et puis me garder qui relation nous gagner. Est-ce que son ingéniosité qui fait que étranger capable font cimetière qui propre et puis nous mêmes nous pas gagner ingéniosité ça pour nous faire des espaces côté pour nous mettre monde qui était famille nous proche nous. Est-ce que c'est une capacité yo gagne plus pour faire une infrastructure qui est aussi propre et que nous-mêmes, comme Haïtiens, qui sommes capables de gagner intelligence, qui gagner savoir, et même si enfin, nous questionnons savoir-faire, pour nous être capables de faire un cimetière. En pile président passé, en pile magistrat passé, comme quoi c'est là même pour nous faire lieu de recueillement. Moi, imaginez un cimetière, création, un espace de recueillement, un espace comme si pour mettre mort. T'es capable de faire partie d'une politique publique locale, un magistrat qui vient, qui, avec société a défini qui espace, il est capable de choisir pour faire un cimetière. Il entend, il avec, enfin, il prend toute
information, yo fait et collecte des informations, yo cherche moun qui gagne capacité, qui gagne savoir faire ces deuxième partie dans politique publique là, yo assure yo que yo gagne infra cohésion, ça veut dire que toute instance yo, si ou c'est magistrat, ou assure que ministère intérieur, ou assure que moun qui gagne entreprise, tout ça que t'as préparé les stakeholders yo, parti pour nature yo d'accord avec projet a. Et pour lancer un projet pilote sur une étendue de terre ou commencer faire pour un petit cal et puis on développer un espace qu'on est capable de lancer un cimetière. Mais on dit tout pour le propre, pour le potable, pour que n'importe quoi au passé lui réponde avec sacré lancer un cimetière. Donc, l'un a gardé cimetière qui gagne dans l'autre pays et l'un a gardé cimetière qui gagne en Haïti. Ou poser cette question, mais est-ce que c'est capable ou pas capable? Ou bien c'est blanc qui fait pas un bel cimetière? Côté pour nous capable de prendre, déposer les gens qui étaient proches de nous et puis pour nous. En fait, pour nous propre tout quoi. Donc, matin, je voulais faire réflexion ça avec nous. Parce que je ne sais pas quoi c'est capable ou pas capable. Je ne sais pas quoi que un Américain, un Français, un Dominicain, un Belge, un Latino, un Mexicain. Gagnons intelligence qui dépassait pas nous. Sauf que eux-mêmes ils ont décidé de faire des infrastructures solides, de belles infrastructures. Et puis nous-mêmes, nous décidé faire ça d'en faire en bas. Mais tout autant d'en faire ça d'en faire en bas, nous pas aller en quel côté. Donc lis-le pour nous dire tête nous qu'a fait mieux. Et si nous qu'a fait mieux, nous qu'a fait plus bon bagaille. Donc moi invité nous réfléchir ou même qui était magistrat ou même qui était président ou même qui était premier ministre ou même qui était ministre nous pensons que dans fait pays nous pas besoin de faire de l'autre bagaille et la plus bonne population la plus bon tout pour capable changer regard sur nous-mêmes. L'éditorial de Haitian Coffee News avec Yves Lafortune. Haitian Coffee News sous Guy Wewe Radio. En attendant, on allait dans l'actualité avec correspondant permanent nous dans Port-au-Prince d'abord et puis intervenant pour aider nous comprendre l'actualité. Jean nous fait chaque jour après éditorial Yves Lafortune. Nous faisons arrêt sous image. Et tant qu'auditeur, même d'attendre tout à l'heure Yves Lafortune, vous posez des questions. Est-ce que, en pile question, elle nous prend comme cas de figure situation cimetière nous pour nous capables d'évaluer le niveau de propriété. Nous, même si nous devons aller plus loin, nous devons appeler de manière générale. Ce n'est pas seulement le cimetière. Regardez l'école, regardez la prison, regardez l'hôpital. Donc, étant donné que nous ne pas répondre à une question, hein, nous ouvrir le temps comme d'adion. Comme nous avons un débat, ça, souvent, et blanc fait une débat. C'est pas blanc, mais en nous garder. Mais pour qui ça, c'est pas seulement cimetière. C'est pas seulement cimetière. Oui, c'est infrastructure. Oui, c'est l'école, c'est gens nous montrent les machines. C'est l'hôpital, c'est l'école. Est-ce que nous sommes capables de faire 10 ans à fond l'hôpital et nous pas faire? Est-ce qu'on stade, nous pas qu'à fond stade, tandis que nous sommes capables de faire de belles? Parce que je me toujours dit que c'est une côté nous rivaliser avec le monde entier, c'est le sport. Et la culture, ça veut dire, je dis, Yannick Lyons, capable de rivaliser avec n'importe qui écrivain du monde. Mais maintenant, nous avons besoin seulement d'une bibliothèque. Même Jean, tout en a parlé de Malraux, nous avons besoin d'une belle bibliothèque pour que Simon y aille. Et on compte pour faire wall, ça veut dire pour faire théâtre. Et puis ça veut dire que nous n'avons qu'à faire ça. Ou dit, est-ce que c'est blanc? On nous mette blanc de côté, on nous garde nous-mêmes. Donc, pour pas répondre à une question, et ouvrir le cadre là. Mais on juste garde. Moun qui déplace les vini dans pays, dans l'autre pays, par exemple, moi-même, moi, le côté malé, malgré l'infrastructure qui gagne, malgré l'environnement, moun yo. Mais, ou paraît, ou est, c'est moun la kayo yi. Yo mette, et yo tan rad sous mu, fenêtre. Par exemple, il y a expliqué Chili. Moun yo rive Chili et puis gon communauté yo développé à la haïtienne. Finalement, c'est pas à la haïtienne. Ce que tu dois comprendre. Non. C'est-à-dire, c'est comme ça moun yo habitué vivre. Donc, quand soit côté, yo allez, y a retransmettre ça yo t'a vivre là, l'autre côté. Mais devine une identité à l'autre côté. L'autre côté, l'autre identité. C'est l'on en précarité qu'on gens ou agit. C'est ça que les populations supposées constamment apprennent. C'est ça que fait
la radiodiffusion gagne une mission de informer, d'éducation et de éduquer, former et puis distraire moun. Donc le par exemple élite que ce soit à niveau la presse pas fait rôle pour informer population pour éduquer population à ce moment-là où vinn gagne des moun qui a jeté fatra, y a tande la pluie tomber pour prendre sa chair pour voyer, yo pas gagne infrastructure pour faire besoin yo prendre mettre dans sa chair, yo voyer ça reproduit dans prison. Donc moun yo le maintenant yo te vle, yo te capable faire là bas ici. Mais là commence entrer dans des condominiums, yo do non, pas ka faire ça. Il a régulé dans c'est la régulation de l'État, que ce soit l'État local, que ce soit l'État central. Donc c'est la régulation, c'est l'État qui intervient. Parce que Bamdou, la réaction humaine est telle qu'on l'homme pour problème gaz Massachusetts. Moun yo commencé monter etc. Des ordres là, mais maintenant non. Premier bagarre là, l'État assure que gagne produit qui est disponible. Maintenant, le produit est disponible et puis il prend le 10 moun yo, mais on va faire ligne, etc. Donc ça c'est une autre culture. Donc culture là en tout, il participe de habitude moun. C'est la nature est une première habitude. Le nous n'est à nature parce que nous en précarité. Maintenant, quand on commence à gagner de nouvelles habitudes, que la culture pral baou, frottement avec l'autre monde, à ce moment-là, on pral commencer à entrer dans la dimension d'universalité. Oui, en tout cas, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, faut garder le niveau éducation à travers les médias, essayons de fonctionner et pour nous éduquer, pour nous former mounio. Donc, en pile responsabilité en tant que médias, c'est pas seulement informer mounio sur politique, mais c'est informer mounio sur comportement. Yo doué gagner et gagner l'école là tout, parce que Timoun boy ici a c'est pas nécessairement radio, c'est pas média, c'est pas les réseaux sociaux qui montrent dans l'école yo après le mettre une manière de faire. Timoun nan yo commencé responsabiliser li connaît pour pas jeter fatra dans la rue, pour le jeter dans poubelle, li connaît que telle semaine c'est lui même qui va le nettoyer classe, li pas gain bonne. Donc c'est autant de bagages et ça fait nous même tout dans Echen Coffee News, nous ba tête nos missions pour nous former moun yo, pour nous faire l'autre journal, pour nous apprendre moun yo, parce que gon gens le genre journalistique son gens moun al chita apprendre l'école. Et ça fait l'op garder journal ça, partager là avec tout l'autre monde pour dire mon l'autre bagage qu'a fait c'est le journal de la diaspora. Nous font bagages ou comme si ou te mettre français, anglais, espagnol, latino, ou capable offrir produit ça. C'est le journal de la diaspora. Tout le monde de chaque matin levé 8h-10h, ou bien pour apprendre, ou bien pour prendre sensibilisation, et ou bien tout pour partager avec le monde, pour faire débat, pour nous changer ça. Haitian Coffee News avec Pierre-Renel René. Le journal de la diaspora haïtienne qui est en Haïti a coûté tout puisque yo informé yo à travers Bruno Pierre, correspondant permanent. Nous pourrons le rejoindre tout de suite dans la capitale pays à Haïti avec l'autre élément d'information qui pourra compléter l'élément nous t'ai gagné jusqu'à hier soir, étant donné que nous apprenons de Delma jusqu'à route aéroport et que en pile tiré, est-ce que tiré yo suspend un moment n'a parler là, Bruno Pierre, hein, est-ce que Bruno? Oui, Bruno. Et là. Et une Coffee News, n'a fait la vironne, fait vironne tout côté qui gagne haïtien sur la terre. Haïti, Bruno Pierre, Daniel Darius et puis yo Deep Dal correspondant dans toute province. New York, Eden's Deba, Jean-Baptiste Romaret, Jean-Claude Junior Vaval, Philadelphia, Jean-Venel Casseus, Philippe Moussignac, West Palm Beach, Maryse Balthazar, Orlando, Jean-Junior Lafortune, Derby du jour, Indiana, Marie-Ludie Montfort, Jacques Adler, Jean-Baptiste, Di Gongon, Postpadichon, Boston, Jean-Samuel Trizil, Canada, Jean-Wesley Delva, Guillaume Amboise, France, Panel Lindor. Haitian Coffee News n'a fait l'aviron. Fait l'aviron d'été. Oui, tout côté qui est haïtien sous la terre. Nos gains correspondants. Bonne nouvelle. Et correspondant de Port-au-Prince, c'est Bruno Pierre qui est avec nous en direct. Bruno, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est avec le plus grand plaisir que je vous rejoins. Et ce jeudi 28 mars 2024, Port-au-Prince levé en bas rimé massacre. Barbecue dit li pral fè sou pèp la.
En effet, à travers une note vocale diffusée hier et partagée de manière presque hystérique par tout le monde, le leader du monstre criminel à sept têtes, Vive Ensemble, le leader barbecue, monsieur réagit à accusation que dit monsieur a fait peuple la victime plus que l'autre monde. Eh bien, monsieur a réagi, il dit que ennemi parli, c'est premier ennemi, c'est peuple là, c'est pas si au Libanais, c'est pas Grenegue d'abord, mais c'est peuple là. Non, Bruno, d'abord. Bruno. Ouais. Il dit ça même, il dit c'est peuple là. Oui, gon notre vocal là m'gay sur téléphone m'a voulu le partager bah ou après et mais il dit oui, c'est comme ça, Dessalines te dit que c'est bon côté l'ennemi en hier, c'est d'abord c'est monde qui plus proche lio, c'est monde ça yo qui ennemi parle. Donc m'a voulu voir ça bah ou même moi juger de pas ou même. Ouais. Mm-hmm. Donc ça crée ça crée une panique. Oui. Oui, justement. Donc, j'allais continuer pour dire que, et effectivement, c'est un barimé ça que tout le monde levait, puisque M. Sarah, qui est leader Fédération Gang qui est les vivants ensemble, il a réagi à accusation côté que il a dit, un peu mon a dit sur les réseaux que c'est peuple qui est victime et que c'est Timoun, en fait, c'est machin qui est dans le classement maintenant, classement qui est plus bas. Pharmacie qui a boulé, l'école qui a boulé, l'hôpital qui a été vandalisé. Donc, M. Ali réagit en ce sens. Et justement, m'a voué le voir ça. Donc, le notant de M. ça, nous guettons, ouais, nous on a fait avec un maniaco-dépressif qui, si les continuer, je ne peux aller en là, et dans ces délires schizophréniques, je dirais, M. qui a provoqué à n'importe quel moment des massacres spectaculaires. Déjà, il était guettant reproché de massacres la Saline et autres. Donc, voilà. C'est comme ça, un petit peu, Port-au-Prince levé. Est-ce que tu as tiré Koulian? Non, pas tiré sous l'aéroport à la Koulian, mais hier soir, c'est vrai, il y avait des détonations que un peu le monde attendait, des tirs nourris du Badelma. Badelma, elle commence désormais à partir de Carrefour de l'aéroport. À partir de café pour l'obdescendre de Makoulia. Désormais, c'est varlié. Ça veut dire qu'on a parlé de Delma 15, Delma 13, Delma jusqu'à ce que arrive en Banette. Donc, Delma en bas, li, chargé avec Fatra. On pourrait tracer flamme sous quelques buildings que nous connaissons. Donc, un peu de calme ce matin sur la route de l'aéroport, mais je nous connais, c'est avec en pile prudence que Mounio est sorti matin là pour gérer jeudi saint, parce que jeudi saint, c'est un jeudi saint. Et qui j'apporte au prince levé jeudi 28 mars 2024 là, c'est que nous avons remarqué bon le matin vers 6h30, en pile protestante qui était pour gagner le chemin de leur maison, le chemin de du bercail, c'est-à-dire que ils étaient dormi l'église. Qui ça qui réalité? Réalité, c'est qu'en général, il fait 3 jours de jeûne avant vendredi saint arrivé. Donc, jeudi, hein, c'était justement dernier nuit qui était passé dans l'église. Et matin, bonheur, nous t'es qu'à constater que Mounsayo a boutonné la caillou. Il s'agit des protestants, justement, puisque nous sommes un pays, entre guillemets, chrétien. Et depuis 1860, c'est l'année à laquelle le gouvernement de Giffard a signé le concordat, ce fameux concordat avec le Saint-Siège. Et justement, c'était un 28 mars, hein, comme aujourd'hui. Donc, 28 mars 1860, 28 mars 2024, ça fait déjà un bon bouton depuis que religion ça a créé le christianisme, ligue en présence formelle et officielle en Haïti. Qui j'ai Port-au-Prince levé matin, Port-au-Prince levé, j'aime des signaux l'état là avec un pile fatra, en tant que, comme on jeudi saint, en général, en temps normal, c'était période que Mounio, fait, que autorité municipale yo réagi sous cause fatra, mais c'est pas le cas. Exode urbain a continué d'une part, mais quand pile monde tout sur la route du sud, il y a qu'à constater au niveau de Fontamara qu'après machine puis aller dans le sud, parce que c'est quand même la semaine sainte, nous avançons vers le week-end pascal.
Et c'est sûr que, en général, en plus de monde ça a déplacé, parce que nous sommes à plus de 33 000 monde qui étaient courus quitter la Caillou Port-au-Prince. C'est en pile pression qu'on fait sur le grenier familial en province. Le grenier familial, ce sont les petites ressources que les gens ont pu manger, les paysans ont pu manger. Et ces ressources-là se raréfient, puisque, bon, grand plus de monde qui a entré, sorti, et Port-au-Prince plus particulièrement. Et c'est sûr que les paysans, ça, les familles d'accueil en général, ils vont dépenser ce qu'il leur reste en termes de ressources avec beaucoup de parcimonie. Mais trois gros villes que nous répertoriées, qui après se voir, en plus le monde qui saute Port-au-Prince, dans le moment ça est là, c'est le Cap-Haïtien, bien sûr, c'est la troisième ville du pays, c'est les Cayes et aussi c'est la ville de Jérémy. Qui j'en Port-au-Prince levé jeudi, nous avons signalé que nous n'avons pas remarqué en pile mesdames factorio, parce qu'en général la majorité des monde 80 factorio c'est eux-mêmes ouvrières factorio, ils pas très visibles dans la rue, et à 85% ouvrières ont réduction sur nombre de monde 80 sonapi, parce que gagnent fermeture du port maritime de Port-au-Prince qui cause que gagnent ont rareté de intrant, d'après ce que monsieur Sassine, qui est un leader de ce secteur, a annoncé ce matin. 150 000 personnes en Haïti, ils ont menacé de famine, d'après ce que UNICEF fait savoir hier. C'est un peu aussi la réalité de Port-au-Prince. Et puis, s'il faut souligner une dernière chose, ce serait les barricades temporaires qui retirées, parce que en réalité, PRR, actuellement là, dans Port-au-Prince, tous les soirs, nous sommes dans une période d'état d'urgence et de couvre-feu, tous les soirs, mais chaque soir, pifor rue sous Delmayo barricadé. C'est pareil pour toujours, c'est pareil pour Canapé Vert, pifor rue sous Delmayo, je parle de Delma 60, 48, 32, etc., de toujours, etc. Donc, en général, à partir de 6h30, barricade est sortie, et à part Lison, Marin et Croix des Missions qui gagnent des barricades qui pas bougé, parce qu'il y a même eu définitif presque depuis plus de 8 semaines. Mais soudainement, toute barricade est sortie. Mounio commence à reprendre l'activité, Pétionville aussi. Et c'est en Port-au-Prince qui levait dans une ambiance comme ça. Donc, pour finir, le soleil est plus beau à Pétionville et à Delma, bien sûr, à Turjo aussi, là où il n'y a pas de base de gang armée. Et enfin, je dis ça, ce sont les enfants qui s'activent pour se préparer pour demain, le grand jour du cerf-volant. Baka dit que c'est un jour officiel ou un jour national du cerf-volant. Tant que d'autres pays gagnent un jour du cerf-volant, côté que tout le monde a monté cerf-volant et que la mairie de ces villes-là a fait l'argent, mais ici en Haïti, nous connaissons Vendredi Saint quand même, c'est jour Timounio, yo Adonéo, à type de activité ça. Donc voilà, ça gagne en gros ce Port-au-Prince. Donc à part un soleil qui est plutôt beau, mais il n'y a pas trop grand-chose à souligner, sinon que nous allons répondre à quelques questions si toutefois tu as gagné. Il y a une question, c'est que nous, et en dépit de situation à décrire pour nous là, il y a une certaine tradition qui kembe. Il y en a eu, c'est comment et fidèle catholique et chrétien yo respecté période sainte, même si période sainte là, même si c'est pas en quantité, donc côté qui pas et sous contrôle gang yo, bien côté la vie continue exister, moun yo à l'église, c'est ça wap di nous là. Oui, c'est exact, moun yo à l'église et sorti mardi après-midi arrivé c'est lundi, alors c'est lundi après-midi arrivé jeudi matin là chaque jour il fait même exercice, à savoir qu'il y a le domi l'église là, je parle des protestants plus particulièrement, et puis le lendemain matin à la caillou. Donc hier soir c'était la dernière nuit de veille Pascal, et puis bon jeudi matin, grand matin justement, il est sorti, il allait il la caillou. C'est une tradition que il toujours kembe au niveau des protestants. Les catholiques aussi respectent aussi leur tradition, puisque dimanche dernier c'était le dimanche de Rameau. Nous t'ai remarqué en pile monde dans l'église qui a fonctionné, dans l'assemblée catholique qui a fonctionné, t'es présent justement pour recueillir avec des branches de Rameau. Rameau ça va le passer près d'un an selon la tradition, la caillou plus Rameau a séché, c'est plus ça a gagné espoir que
année a passé en bien. C'est une tradition millénaire que catholique toujours qu'embé, mais aussi on peut constater qu'il y a beaucoup de personnes devant les bureau de transfert, parce qu'en général, c'est dans la période ça, moun qui gagne diaspora, qui gagne amis, famille dans diaspora pour se voir un petit chocho, il y a le changer lit et gagne des longues files d'attente qu'on peut constater non seulement devant quelques bureaux de transfert, mais aussi que devant quelques banques commerciales. C'est la tradition, c'est comme ça, c'est sûr que cet après-midi, marché public, il y a poil vraiment grouillé d'activité avec tous ces clients-là qui vont venir s'arracher les produits maraîchers, tant que la fameuse betterave, ou qu'on est qui en général fait le décor de nos plats. Pascal en général, parce que nous pas manger en période de Pascal, ça nous pas gon salade ou bien salade russe ou bien on salade froide de constituée de carottes, de betteraves et de laitue. Ouais, et en général, c'est ça la tradition. Là, quand nous, en Haïti, nous avons une cuisine par nous avons une tradition culinaire, gastronomique par nous. Et c'est comme ça, c'est sûr que les marchés ne vont pas se désemplir cet après-midi, puisque en plus, le monde a constaté qui fait la queue devant les bureaux de transfert et devant les banques commerciales. Merci Bruno Pierre, il a parlé tout à l'heure pour nous voir comment nous pourrions manger poisson ensemble. Alors, merci beaucoup Bruno Pierre. Merci. HM Coffee News, n'a fait la viron. Fait viron tout côté qui gagne haïtien sous la terre. Haïti, Bruno Pierre, Daniel Darius et puis yo Deep Dal correspondant dans toute province. New York, Edens Deba, Jean-Baptiste Romaret, Jean-Claude Junior Vaval. Philadelphia, Jean-Venel Casseus, Philippe Moussignac. West Palm Beach, Maryse Balthazar. Orlando, Jean-Junior Lafortune, Gerby du jour. Indiana, Marie-Ludy Montfort, Jacques Adler Jean-Baptiste. Di Gongon, Postpadichon. Boston, Jean-Samuel Trizine. Canada, Jean-Wesley Delva, Guillaume Amboise. France, Panel Lindor. Asian Coffee News n'a fait l'aviron. Fait l'aviron d'aider tout côté qui gagne haïtien sous la terre. Nos correspondants pour bonnes nouvelles. Asian Coffee News. Dorénavant, c'est avec une tasse café bien chaud, nous prenons l'informer. Asian Coffee News. Sous Guiwewe Radio. Pour tout ça qui a passé en Haïti, à tout côté qui gagne haïtien sous la terre. Tout ça qui a passé en Haïti, c'est avec Bruno Pierre et puis différents correspondants nous gagnés à travers PIA. Ça qui a passé dans la communauté New York. En dehors d'Haïti, c'est Doreen Community. En attendant, nous rejoindre Jeff Lozama. On a prêté dans la même lignée pour aller encore dans la communauté New York, à l'étranger, États-Unis en particulier, avec un vague haïtien qui a venu ces derniers jours, donc l'immigration haïtienne qui a pris l'autre couleur depuis ces dernières années en raison de l'intensification crise politique qui est marquée par de violences qui continuent à se développer en Haïti. Un paquet de monde, de socioprofessionnels retrouvés un bon matin, bon ici, avec des idées préconçues, de monde qui était complexé parfois, et qui venait et trouver dans de grandes difficultés pour eux, sortir tête yo. Nous gagnons avec nous un leader dans la communauté, Wentito Francius, très influent, nous capables d'entendre, regarder l'image là. Et c'est avec lui nous pourrons parler en thème de conseils, hein, pour deux monde qui a privé et bon ici à son comportement, yo doit gagner, qui orientation yo doit prendre si yo voulez réussir. Et c'est seulement monde qui réussit qui capable aider moun réussi, Wentito, c'est son cas, ouais, c'est un exemple, si vous voulez, dans la communauté, a son plaisir pour nous recevoir lui dans le studio, nous, dans Fort Lauderdale. Francisco, bonjour. Yon bon Wentito, tasse, bonjour. Yon bon tasse café, Pierre Renel, yon bon tasse café, Guy Wewe, yon bon tasse café, Guy La Fortune, son plaisir pour moun et gros chose ça, et sous gros plateforme ça, qui c'est Guy Wewe Radio.
Et me pensais que son opportunité en or que moi gagne pour moi interagir avec ensemble de ce nom avec frère nous qui fait entrer dans le système là, mais m'a tout dit que on pas venir avec la prétention que m'bral vinn faire la morale ou du moins corriger cahier on ensemble de ce nom avec frère nous, même justement à venir pour me porter une petite touche comme monde qui était là avant pour aider yo guider pour yo prendre route ça qui c'est route de développement ensemble. Et c'est objectif Echen Coffee News et n'a chercher moun tankou hein qui capable aider nous dans et travail ça. Donc ou très humble hein, pour dire ou pas venir faire moun leçon ou venir seulement partager expérience pas parce que là c'est avec vécu ou parler. Donc nous identifions un problème avec catégorie moun qui a privé je dis à non pays tankou États-Unis avec toutes difficultés qui gagnent pour migrants pour moun qui à peine rivé yo. Donc ou pensez que l'important pour gagner en orientation ou accompagnement pour permettre que moun sa yo yo réussi. Me penser en tant que communauté, si on t'a bien répété moi Jean Lié en tant que concept, surtout en ma qualité de sociologue, il faut que gon structure d'accueil qui t'a doué chita pour permettre que orienter moun sa yo. Et c'est à droit nous comme communauté. Dans l'autre communauté yo, yo fel, et si nous prenons des communautés exemple, yo fel gon si on tuyau de canal système nan fonctionné, mais qui genre que yo fonctionné. Mais c'est ça que je dis hein. Si l'idée que je voulais partager c'est surtout sur la comment on dire c'est comment vous comporter dans la rue. Ici aux États-Unis, parce que nous connaissons que une grande différence entre sorte les signalisation frontière en Haïti avec aux États-Unis. Parce que moi, retenu dans office, moi, j'ai un monde qui était venu côté moi, qui fait venir ici, qui prend un ticket. Il dit que policier a fait l'abus parce que c'est haïtien, il pas capable anglais, policier a fait l'abus. Mais me poser la question, comment? Il dit que li rive dans carrefour, li campé et puis ticket policier a ballon ticket. Mandé la question comment li campé. Li dit il font ti campé tout petit et puis là li. Me dit ouais, son ticket que lié. Parce que gon bagay que nous doit comprendre que lò joine yon stop, li relé yon full stop. Blanc dit il faut que moteur machine nan campé. Faut ta ka compter sous doigt tout ou bien nan cœur 1 2 3 4 5 et pour démarrer. Sou pa ka fèl comme ça, yo rele ça en anglais, yon rolling stop. Ça veut dire que ou camper pendant ou courir. Sou automatiquement son violation lié nan question circulation ici. So m'di moun sa yo, il faut que nous apprenne signalisation avant que nous marcher. Deuxième bagay. Nan la ou yon, nous connaît en Haïti que lorsque nous voyons lumière yo, feu de signalisation yo, yo pas trop vle di gros bagay pour nous. Pour qui ça? Parce que pas gen loi qui renforce yo, pas gen policier qui pour renforcer yo. Moi-même moi témoin en Haïti, yo moun apprend on lumière rouge li à l'aise, c'est pas ça pas vle di rien pour lui. Et ben job pam c'est pour me dire que là où lumière jaune ici aux États-Unis, li vle di slow down. Là où est lumière vert, li vle di franchi. Là où est lumière rouge, li dit complètement stop. Ça a évité un pile dégâts. Et dans toute city yo, dans toute municipalité yo, yo mettez des caméras. Caméras ça pas vle di forcément, c'est des caméras pour bon citation qui pour bon ticket. C'est des caméras qui pour éviter lorsque gon dégâts accident qui passait, yo capable justement à le réviser, yo wè qui est-ce qui entend comme accident arrivé dans sa relé investigation. Dans sens ça, circulation ici aux États-Unis son gros morceau que lié. Nous même qui vini ici, yon bout licence, c'est un privilège que lié aux États-Unis. Si ou quitte, yo retire la main ou, c'est plus gros privilège que yo retire la main ou comme si yo coupé deux bouts de pied. Parce que ici
ou pas qu'à prendre des kilomètres de route à pied parce qu'on pas capable fonctionner non pays tant qu'au Floride sous pas gain licence ou pas qu'à conduire ou pas gain machine c'est comme sous son monde qui paralysé dans sens ça moi suggérer que nous prend soin en pile licence que nous gagne dans main nous yon l'autre bagay m'a dit pour me retourner à Pierre Renel en pile freine action nous yo qui fait que vini ici pas connait d'après convention internationale yo ka conduit avec driver license que yo gen permis de conduire gen haïtien et passeport yo tande ça me dit permis de conduire et passeport pour 90 jours passeport de 90 jours dans pays an son contravention que lié me retourner avant Pierre Renel. Oui Wansito, c'est comme si j'en va parler là dès que on résout problème conduire ou résoudre de plus gros problèmes pour intégrer. Mais qu'on est, c'est tout un processus et c'est pas seulement conduire à lier, il y a de l'autre aspect on doit doit plus ou moins maîtriser pour capable gagner en pleine intégration. Et à part de conduire, si n'a mettez long ordre premier, deuxième, troisième, qui l'autre aspect au monde qui fait venir t'as dû plus ou moins maîtriser. Yo en pile parce que ici aux États-Unis, yo priorisé sous droit civique yo. C'est-à-dire droit pas moyen commencer côté pour la fini et droit pour la commencer pendant pas m'nan le fini. Respect yon pour l'autre lan son bagay qui extrêmement important ici aux États-Unis. Culturellement, lorsque nous faisons venir là, c'est un gros choc qui est lié pour nous. Nous pouvons comprendre comment la culture là, fonctionne. Et dans un event que nous avons fait, nous avons un Américain, un noir Américain, qui te dit, il n'y a pas de problème avec Haïtien. Mais c'est le problème qu'il y a avec Haïtien, c'est que Haïtien d'où ça vle. Mais il dit qu'il réalise, ce n'est pas parce que Haïtien vle d'où ça vle. Mais c'est peut-être un problème culturel qui permet li di ou li d'après culture parle et par rapport avec culture pas nous nous prend très mal. Ça vient créer un gros problème entre nous deux qui vivent non deux cultures différentes. Dans ce sens ça moi veut dire que li très important pour nous connaître comment pour nous vivre yon ak lot. Vivre yon ak lot c'est un bagage qui capable aider en pile. Par exemple pour ça nous avec frère nous soit gwin nan Chili soit nan Biden moi suggérer leur entrer dans caille gagner des bagages qu'on doit connaître par exemple pas gaspiller de l'eau parce que de l'eau ici c'est payé au pays pas gaspiller lumière sous pas besoin éteindre parce que c'est payé au pays pas oublier nous même en Haïti nous gain on tendance que nous pas joindre courant l'énergie joindre nous utiliser pas parce que nous utiliser la conception méchant. Mais c'est justement nous profiter de lui. Mais ici, on gagne lumière. Mais pour gagner lumière, faut qu'on paye pour lui. À force qu'on utilise, c'est à force qu'on va payer. Laisse ça pour créer une inconviviabilité entre nous-mêmes avec monde qu'on descend. Des fois, les plus bons sont pas besoin de toilette là ou pas flush li. Parce que chaque leur flush toilette là, li égal à un gallon de l'eau qu'on dé ou utilisé. Et galon de l'eau ça a gon moun ka paye le pou pendant ou même ou pas paye le. Sou rentre nan bafoum non pral bayen, au lieu pour faire une aide en 30 minutes ou ap bayen, li suggere qu'on fait 15 minutes ou bien 10 minutes ou ap bayen, ça pa fò grimo ou bien ça pa fò pinoa pour ça. Sou ça c'est des petits conseils qui ka permettre que ou pa gen problème nan koto ou descend nan. Ou pas gen problème koto y a avec moun yo et y a pi facile pour bon information y a pour son moun ki pi prêt pour vivre. Troisième bagay, pas essayer propose que ou te x ou te z nan pays ou koun y a la ou vin wè moun koto descend yo inférieur avou laisse ou pral vin ki un gros problème comme si y a pour que présence ou pas welcome nan kay la encore. On nous vive avec ti conseil ça yo, m'ba di la pour réussir d'un coup, même pas parce que c'est dernière fois wap wèm sou amenant émission ça, m'a gen l'autre bagaille m'a pote pour davantage. Merci Wansito et n'espérer gagnons prochainement pour continuer avec exercice ça, m'passé qui très utile
à moun ki vini et moun ki sou route pou vini, et puisque ça a posé problème cohabitation et entre moun ki vini et moun ki té là, choc culturel, donc bah ça a toujours mal fini. Et après moun ki té recevoir il y a un an après ou pas la kaili encore, et en pile et histoire comme ça, et de moun ki té gen parent et recevoir la kaio après on temps moun sa yo ennemi juré. Merci beaucoup Juancito. Merci Pierre Renel, et pour conclure, faut me tout changement ça au fait réellement par rapport avec comportement nous en dans environnement. Donc on dit nous, ça veut dire moun ki a recevoir les tout, deux côtés. Les gen comportement parfois qui peut être préjudice tout à moun k'ap venir. Des fois il ka sous-estimer moun nan, oui. Li ka qualifier moun nan déjà, il gen des idées auto des idées tout faites dans tête li de moun nan. Ce qui pa bay moun nan chance pour improuver tête li. C'est ça que en conception pas moins voulez dégager là, c'est pas pour yon grain moun. M voulez parler de tout moun, yo gen travail pa yo pour yo faire pour que nous ka gen un amour communauté. Merci beaucoup, Juancito. On va retourner tout à l'heure à New York et nous prenons le palais à Romare. HM Coffee News. On a fait l'aviron. Fait viron tout côté qui est haïtien sur la terre. Haïti, Bruno Pierre, Daniel Darius et puis le Deep Dal correspondant dans toute province. New York, Edens Deba, Jean-Baptiste Romaret, Jean-Claude Junior Vaval. Philadelphia, Jean-Venel Casseus, Philippe Moussignac. West Palm Beach, Maryse Balthazar. Orlando, Jean-Junior Lafortune, Derby du jour. Indiana, Marie-Ludie Montfort, Jacques Adler Jean-Baptiste. Dit Gongon, Postma Deschamps. Boston, Jean-Samuel Trizil. Canada, Jean-Wesley Delva, Guillaume Amboise. France, Panel Lindor. Asian Coffee News n'a fait l'aviron. Fait l'aviron d'été. Tout côté qui est haïtien sous la terre. Nous qui correspondant pour bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Asian Coffee News avec Pierre-Renel René. Asian Coffee News, c'est tout avec Romaret, Jean-Baptiste Romaret, qui est avec nous, Yves, qui est déjà là. Hein? Bonjour Romaret. Bonjour Maître Yves Lafortune. Bonjour Pierre-Renel René. Et c'est avec plaisir que m'a participé avec nous dans Asian Coffee News matin là. Pas dit Guy bonjour non. Oh Guy Wewe. Guy n'est pas de père. Ça fait plaisir de saluer tout le monde qui branche l'émission ce matin. Moi dans New York, moi dans Queens particulièrement. Et c'est nous qui disons qui ça nous voulait, monsieur. Comment la communauté New York là? Il y a une émission comme ça, oui, pour le prince. Qui ça nous voulait? Et ça nous voulait avec Woody Sanon et Maria Fayel, la radio. Et oui, Maria, où c'est haïtien, Haïti, dans ce lieu là? Ben nous, succinctement, qui j'en ou elle? Et puis, comment moun, parce que nous parlons avec moun New York, comment c'est arrivé sur moun New York? Yo? Allô, oui, Maria, Gombouille. Est-ce que vous ne savez pas bien? Oui, là ça s'en va aller mieux. OK. Oui, alors, il fait 35 degrés matin là, et dans New York, et soleil après le paré pour le lever, et nous croyons que, alors, dans la zone côté Mia là, et tout bagarre marche très bien, mon yo, ça pas le travail, ça, si mon l'école, gain qu'à préparer pour le faire l'autre activité. Donc moi-même Yves Lafortune, Pierre-Renel René, Guy Wewe, qui t'aime dire que tête moi pas suspendre travail parce que c'est toute journée m'obligé gain un update de information qu'a fait disons qui événement qu'a privé en Haïti yo et yo pas laissé indifférent certainement yo même fait malade gain des l'heure ou passer journée très triste l'entendre une série de nouvelles, mais qui te me dit au moins, c'est l'homme d'analyse, c'est l'homme de proposition sous qui ça t'a fait pour gain progrès, qui gain pour développement en d'un pays. Alors, dernière nouvelle, yo, m'a voulu vraiment attrister personne, mais la mort petite Guy Supplice là, alors c'est Guy Supplice Junior,
li attristé nous en pile hier soir pendant que je suis dans le restaurant et sur route frère là li rete Belleville et ben dans tir croisé qui gagne entre la police avec terroristes ben monsieur tombé et ça c'est une nouvelle qui fait nous triste depuis la nuit là bon minuit 1h du matin les monsieur voit nouvelle ça li pas porter trop bien on croit que en plus haïtien jodi a là il arrive dans phase côté il a parlé de proposition ouais grand pile proposition sur table là et moi même particulièrement m'a travaillé avec un monsieur qui est Yves Foster Joseph pour nous qui ça possible qui ça ca fait pour nous capable et influencer et pays a dans le sens du bien et faire des propositions qui magnanimes, qui solennelles, qui capables permettre nous influencer à la fois moun kap décideyo et société civile là et quoi que me toujours dit il y a deux groupes en Haïti je dis à là c'est les sociétés et puis les bandits qui sont au pouvoir là l'État transforme tête en terroriste son état de terreur et son terreur d'État. Nous croyons que faut des monde qui capable influencer même si n'a kembe protocole nous pour nous pas tomber dans dérive parce que monde qui fait média capable influencer mais capable tout faire un pile dégâts. Oui professeur Yves Lafortune. Bon oui, parce que là et Jacouto chargé en pile, parce que là en tant que représentant nous dans New York, là ça a son l'autre chapeau de activiste qui travaille bien entendu sur des propositions. Parce que là faut nous aménager un temps cap plus long côté que n'a capable faire un débat sur lui, je pense. Oui, alors gien pile bagaille pour moi et dis-nous à travers Haitian Coffee News. Et merci pour l'opportunité nous moi pour nous gagner matin hein. Et si nous t'a permettre moi en quelques minutes nous t'a parler de premier jet proposition que me gagner dans faut nous t'a dit nous dans qui phase nous est dans crise là parce que gagner crisologie qui sont sciences qui permettent que l'on situation difficile dans pays et ben ou gagne pour garder dans diagnostic là dans qui phase maladie aille parce que les pathologies sociales sont aussi des pathologies yo gagne des phases gagne phase côté société a li prend la surprise dans crise là li pas de compte s'il t'a privé là gagne phase côté faut gagne des spécialistes qui intervenu genre Yves Lafortune t'a cap parler de politique publique. Je dis à nous besoin inventer une politique publique d'intervention sur la crise. Et là ça, ni moun ka prend décision dans tête l'État, ça rele autorité locale yo, ni moun ki a influencé décision au niveau international comme les Américains qui menen nous dans phase ça parce que gon dernier cargaison zam qui sorti dans les ports de Miami et qui tombé en Haïti là, on croit que ça porte nous très mal. Gain des moments où il doit gain certitude sous diagnostic là, mais gain de l'autre moment pathologie dans lui-même la bord et à réfléchir pour dire tout est-ce qu'on gain meilleur instrument, est-ce que ou rive faire un bon diagnostic de situation hein. Et qu'on est alors fin faire diagnostic là, faut porter les différentes réponses possibles. Et à partir de ce moment on croit que matin nous t'a approché crise pour nous dire nous arrivons en phase critique de la crise côté ces petits pays là alors j'étais connait les bandits à un certain moment mais je dis à nous ouais dans l'état de la terreur et la terreur d'état c'est des terroristes faut nous capable nommer situation faut nommer acteur faut nommer événement faut nous nommer et ça qu'a passé à pour nous qui solution possible et me crois que en pile acteur a intervenu dans situation qui dépassait une crise parce que le temps fait nous pas qu'à continuer à parler de crise nous a parlé de une catastrophe qui arrive à Haïti il y a des monde qui assimilé là un cyclone qui dit c'est tremblement de terre gon l'autre qui dit c'est vraiment un situation incontrôlable, ça relève de chaos.
Ça veut dire un chaos. Nous pas jamais penser nous arriver là côté ni monde qui sous pouvoir. Naturellement, monde qui sous pouvoir est plus responsable par cette société civile là parce que yo là pour prendre décision, c'est yo pas prendre décision à temps et on a l'impression l'État à travers la police nationale, l'armée embryon l'armée d'Haïti mon gien et l'ordre pour mettre dans pays là et mais yo font seul avec terroristes qui a brimé cap maté peuple haïtien hein. Nous venons au moment faut nous garder le terrorisme international faut nous garder Haïti dans lunettes terroriste international là qui Jean on sait des pays là où t'as fait face à terrorisme ça pour s'arriver ici à en 11 septembre yo t'es obligé monter des au leadership de crise ou organisation de crise et on communication de crise et Yves Lafortune nous revient au moment n'a séparé parole là en trois je dis là n'a parlé de émergence qui est nous capable faire pour une émergence un projet tout neuf pour Haïti pendant n'a négocié avec étrangers qui lui-même menait nous là c'est pas étranger seulement qui est responsable ça passé mais étranger pour beaucoup leadership organisation et communication pour même nous arriver dans phase ça là on garder qui ça possible. Oui Marin, et c'est vrai que alors gon problème là c'est que ou connaît ou vinn gen l'autre chapeau et nous gon programmation on essayer mettre un jour on mettre le sous lundi côté que ou capable gon pardon enfin on temps qui est parti on temps d'intervention cap plus longue parce que la fois là dans doing community nous déjà gain madame Ariel Dominique qui sous zoom dans la capitaine nous donc et on essayer tout bien, mon rendez-vous pour lundi. Et puis, on a coordonné pour nous qu'on la pied. It's up to you guys. Je vous attends. I'm waiting for you. Thank you very much for understanding. And nous pour aller straight ahead dans doing community. Quitte ou là depuis longtemps. Quitte nous vini, ça fait quelques temps. Quitte nous vini sous Biden. Nous toutes soyons seuls. On fait une belle communauté. Doing Community, c'est une idée de Jeff Lozama que Haitian Coffee News a porté pour nous chaque jour depuis lundi pour arriver jeudi. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio. Let's do a great community. Haitian Coffee News avec Pierre-Renel René. Aller rejoindre Jeff Lozama qui prêt à mener débat pour nous avec madame Ariel Dominique cap dirigé en structure dans communauté A qui travaille dans question données pour évaluer potentialité qui gagne dans communauté A pour permettre gagner de actions et de projets durables. Jeff Lozama Ariel Dominique c'est executive director Asian American Foundation for Democracy. Et lycée co-fondateur Haitian Ladies Network. Donc, c'est un monde qui a un engagement de près de 20 ans comme d'expérience dans développer relations et puis construire stratégique support avec Madame Ariel Dominique. Son femme d'expérience, c'est donc jeudi hein, qui a pas avec nous dans Haitian dans Doing Community. Et comme tout le monde connaît, Doing Community, son espace qui est réservé avec tout le monde qui est dans la diaspora, qui font travail pour la communauté haïtienne. Donc, c'est voir ça et que les chaînes Coffee News à travers Guigou Radio permettent que le monde s'aille parler et puis pour nous faire, puis pour nous mettre tête ensemble. Parce que Jean Sport l'Indien, qui est là depuis longtemps, qui est là, ça fait quelques temps, qui est là hier, qui est venu dans Biden, nous tous serons seule communauté à nous. Donc, avec un monde qui a 20 ans d'expérience, la fait stratégie, les cofondatrices Ladies Network, les cofondateurs et directeurs exécutifs Haitian American Foundation for Democracy. Donc, nous besoin d'entendre Ariel Dominique, et comme nous habitués d'entendre Jeff. Et Jeff, l'idée de Jeff là pour tout petit monde qui a attendu, jeune monde qui a attendu, moi-même, j'ai été décoré Jeff dans l'université dernièrement. Expression te dit, m'vin là, sans pas kon kote m'brale. Et je dis là, mon université décoré m'a montré l'autre mon route. Bonjour Jeff, bonjour Dominique, The Platform is yours.
Bonjour tout le monde, capitaine de New York, bonjour Pierre-Renel René, bonjour Yves Lafortune, et nous remercier auditeurs ou bien téléspectateurs qui ont suivi nous la matin pour ce rubrique Doing Community dans Haitian Coffee News, un programme comme Yves a annoncé nous, fait annoncer nous là, que nous initier pour nous présenter ce qu'a fait dans la communauté haïtienne, surtout dans le sud de Floride, et pour nous présenter acteurs ou bien pour nous présenter leaders pour nous faire connaissance avec nous. Et maintenant, j'ai le grand plaisir pour me recevoir avec Ariel Dominique, un ami, une femme conséquente, et nous sommes des histoire de Ariel Dominique qui est lié et à travers si, ça que Yves Lafortune fait que ce dit nous là, mais n'a quitté Ariel Dominique lui-même pour le présenter là nous-mêmes pour dire qui est lié. Et Ariel, bonjour et bienvenue sur le programme Nomater. Bonjour Jeff, merci en pile de l'invitation. Bonjour monsieur Lafortune, bonjour monsieur René. Moi bien content avec nous aujourd'hui hein? Malheureusement dans un moment Jean nous t'a dit avant un moment de crise assez extrême et de catastrophe, j'en ai dit là, mais dans toute crise et dans toute catastrophe, il y a opportunité. Donc, moi, bien content de parler avec nous aujourd'hui. Moi-même, j'en ai dit là déjà, moi, c'est Ariel Dominique, mais c'est exécutif directeur Haitian American Foundation for Democracy, qui sont jeunes fondations, mais avec des board members qui ont pile expérience dans le domaine de advocacy et dans engagement civique. Et tout, moi, je suis cofondatrice de Haitian Ladies Network, qui est une plateforme qui est plus large, qui a au moins 95 000 femmes d'origine haïtienne dans le monde entier. Dans Kina Network là. Donc c'est ça, moi très content avec nous aujourd'hui et moi pareil pour nous échanger, pour nous faire conversation sur qui ça nous a fait ou qui ça n'a fait dans la diaspora ces jours-ci. Merci. Très bien Dominique et Ariel Dominique et encore merci pour vos présence. Et Ariel, fait parler nous un petit peu de lui-même alors. Pour nous raconter Ariel, il faut faire un peu de temps avec Ariel pour nous raconter, effectivement. Ariel, et lundi, nous avons eu l'opportunité pour nous recevoir et sous choix et Madame Michelle Austin-Pamis, qui est une membre conseil et Haitian Foundation for Democracy, qui t'a parlé un petit peu de l'engagement fondation dans ce qui a passé là en Haïti, surtout dans, comme nous t'a dit, comme médiateur, comme facilitateur, ensemble avec les réunions qui ont été faites dans Jamaïque, avec CARICOM, et puis l'engagement que nous avons avec différents secteurs en Haïti, qui fait partie de ça nous a réglé peut-être et conseil présidentiel ça. Et parlez un petit peu ou même de peut-être ça qui passé ou bien qui ça qui l'autre information que nous avons de vous pendant la semaine là. Qui ça qui passé dans la semaine ça là, de lundi à jeudi là? Eh bien, ça me a dit, c'est que Jean-Michel Sumanté dit non l'autre jour. Depuis longtemps, nous puis comprendre que crise qui t'a passé en Haïti, c'est pas juste une crise simplement sécuritaire ou bien humanitaire. Nous te comprendre clairement, approche la théorie que c'est une crise de gouvernance a priori. Parce que mon a bataille pour pouvoir, donc crise sécuritaire là, vient un symptôme de bataille pour pouvoir ça. Donc nous t'es vraiment à faire advocacy pour que le gouvernement américain et acteurs que nous liés avec le souterrain, te comprendre que l'été important pour nous régler crise gouvernance, pour t'avoir consensus entre différents acteurs politiques en Haïti. Donc nous encore une fois nous t'es très liés avec politique, yo, avec société civile là, avec secteur privé en Haïti, et nous essayer mettre yo ensemble, bâtir des relations pour que yo capable arriver à consensus que ouais journée jodi. Donc nous accompagner yo à travers les années pour bâtir relation ça entre yo, des monde qui pas tab jambe capable entendre yo nécessairement, qui pas ta jambe parler, nous essayer ouais côté que yo ka joindre des terrains parce que situation est tellement a vinn grave et tellement grave journée jodi. Donc c'est rôle ça que Havdi et board member Havdi particulièrement t'es joué pendant moment ça, c'est essayer faciliter conversation ça yo
pour nous arriver dans ça où est qui arrivait journée aujourd'hui en termes de consensus politique. On y est en tant que facilitateur ou pas gain un pouvoir vraiment pour contrôler outcome là, qui ça qui pourra le passer, qui ça haïtien yo même yo pourra le décider. C'est pas vraiment rôle nous pour nous dire faut que yo fait à droite ou faut que yo fait à gauche, mais qui est-ce qui pour la dedans, mais qui est-ce qui pour pas la dedans. C'est plus acteur haïtien yo. Nous-mêmes, rôle, nous, c'est un rôle de facilitateur, de médiateur, pour assurer que moun yo kap ale, pour assurer que moun yo kapab joindre des points communs, pour que nous commencer essayer ou changer trajectoire. Haïti chargé problème, Jeff. Et pour nous reconstruire pays ça, pour nous rebâtir institution ça, yo, que ce soit institution, toute institution, yo, mais particulièrement institution qui a un rapport avec appareil de sécurité ça, qui c'est justice, police nationale et autres, n'a besoin vraiment en pile temps. Mais nous pas capable continuer à descendre dans abîme là. Faut que nous essayer change gear, changer direction pour nous recommencer bâti à zéro. Et nous croyons que dans aider acteurs yo joindre consensus ça que nous jouons un rôle pour essayer changer de trajectoire. Bien entendu bataille là pour qu'on gagne et forme que l'Ibral prend, c'est pas nous-mêmes qui pral décider, mais but c'est pour faciliter conversation yo et faciliter consensus entre acteurs haïtiens. Ariel Dominique, merci pour répondre ça. Et dis-nous un petit peu, Ariel, qui réaction peut-être Washington Kounia? On n'a pas de Washington, on n'a pas de don vaste. Nous ne pouvons pas canaliser Washington à une institution bien déterminée, mais dans relation ou bien dans interaction avec Washington, en parlant de Hafdi, et qui sentiment Washington envers de ça, envers sa capacité en Haïti Kounia là? Kounia, qui a expliqué nous ça? Bon, dans nous faire des différentes conversations et différents board members, parler avec différentes entités, ou bien deal, Jeff, moi crois que haïtien yo dans la diaspora et en Haïti comprendre ça qu'il n'y a pas grand bagaille de Washington, qu'il y a des différentes entités, qu'il y a des différentes agences, qu'il y a des différentes perspectives et qu'il y a des champs d'action différents. Donc c'est pour ça que là que nous-mêmes communauté, que ce soit de diaspora ou bien que ce soit activistes et advocates en Haïti, pour ça qu'on s'est plaidoyé, yo connaît, faut que yo parle avec différentes entités, ça, que ce soit National Security Council dans Maison Blanche, qui lui-même tout, il y a différents agences en dedans, ou bien différents champs d'action en dedans, que ce soit human rights, que ce soit politique, que ce soit défense à l'intérieur NSIA lui-même dans Maison Blanche, ou bien département défense, ou bien en premier lieu, ça que tout le monde toujours pense que c'est premier agence, et des fois seul, ce qui n'est pas le cas, mais ou bien y a State Department, ou bien y a Congrès des États-Unis. Donc, nous essayons de parler avec différentes entités ça, pour que nous essayions ouais, comment que nous cas améliorer la situation souterraine. Moi, je crois que y a très imbu, c'est américain quand même, y a très imbu, y a une intelligence là. Pas intelligence que yo intelligent non yo gain intelligence yo dire yo gain formation yo pour connaître en situation humanitaire sécuritaire et gouvernance en première excessivement grave. Donc moi crois que administration Biden alors nous parler avec lui APC fait ça capable pour que nous même en tant que communauté nous de plus en plus organisé pour pousser le mieux vers des bagailles très spécifiques qui pas général qui ça nous voulait est-ce que c'est l'argent nous voulait débourser pour gain plus sécurité est-ce que nous voulait que à part de l'argent Congrès qui demandait en pile politique entre républicains et démocrates est-ce que gain l'autre agence qui a débloqué certains l'argent qui ça que nous voulait que on fait en termes de sécurité en Haïti spécifiquement. Qui ça que nous voulons que yo fait pour crise humanitaire là? Donc, moi quoi que yo comprenne situation, yo connaît situation, yo parle avec un pile acteur souterrain. L'autre jour, moi tenant conversation avec Maison Blanche et Maison Blanche Human Rights Department dans NSCA avec des activistes de droits humains, de toute qualité activiste en Haïti. Donc, yo cherchez pas aller avec yo
pour comprendre justement qui perspective yo de situation. Donc tout ça pour dire que yo connaît. Il y a des monde qui en charge de Haïti de tous les jours dans Maison Blanche là, bien entendu on connaît que bon bureau d'Haïti dans département d'État, où qu'on est tout bon Haïti caucus qui co-chaired by Paul et mon nom chez la chef Phyllis McCormick, representative McCormick, qui c'est une nan représentant dans Haïti caucus, yon nan chair yo alo. Donc information yo genyèl, moi kwè que yo connaît que son grande crise, moi kwè que yo connaît que son pays qui à côté, donc yo pa ka just rete, yo pa fè rien, y a regarder, et yo connaît tout que gen on communauté haïtienne qui gen vote et qui gen nombre et qui de plus en plus organisé. Donc yo vinn parler avec nous depuis début situation, c'est-à-dire depuis assassinat, bon, yo toujours parlé avec communauté haïtienne, mais depuis assassinat président Jovenel là, moi crois que yo fait des efforts pour yo parler avec communauté. Est-ce que yo ka fait plus? Est-ce que yo ka fait mieux? Absolument, ça dépend de qui, ça dépend de nous. Ça dépend de nous particulièrement dans la diaspora. Madame Dominique, excusez-moi Jeff, pendant le souffle à Oueli, je voulais adresser une question à Madame Dominique. Et justement, est-ce qu'on pas penser que c'est voix qui manquait dans le sens que on dit moi viens ici, m'a pensé penser que ça me fait pour communauté A. Je viens avec Jeff Lozama qui dit ah Yves ou pas pour le réinventer et pas bon invention pour le faire bon paquet de monde qui travaille là-dedans et justement c'est dans cadre ça matin nous découvrir Avdi ou même qui président enfin qui directeur exécutif li est-ce qu'on pense que faut nous t'a besoin fédérer toute organisation diaspora yo toute organisation pour nous capable faire voir vinn plus fort. Bon, absolument. OK, ça c'est réponse directe là. Mais ça me pour le dire. Communauté sont communauté relativement jeune qui de plus en plus à travers le temps organisé tête li. À cause de crise réfugiée dans années 80, on commencé vinguer des organisations. Après ça, au fur et à mesure, il y a plus de monde qui enregistre pour les citoyens, qui viennent citoyens pour enregistrer, pour voter. Après ça, il y a gagner plus élus haïtiano-américains. Donc, son communauté qui de plus en plus a organisé tête li, ou a beaucoup d'organisations, community-based organizations, and so on and so forth, à travers pays, où il y a des nouvelles communautés qui ont formé, que ce soit Georgia, Indiana, communauté a changé de côté de vivre, Texas, par exemple. Donc, est-ce que qu'on y a, que nous vivons un certain niveau de maturité communautaire, que nous gagnons pour nous organiser, coordonner voix nous en termes de consensus, qui ça nous toutes organisation, pas fait en grain organisation, ça pas existé, il faut même bon. Mais comment différents organisations, ça, qui arrivent au niveau de maturité, qui mettent tête ensemble pour former une structure, pour que lorsque ces moments que gain crise, que ce soit dans la communauté ici ou bien en Haïti, que vous pas obligé, oh, en moins, bon problème, qui ça nous pourra le dire, qui ça nous pourra le faire, en nous mettant tête nous ensemble pour que ce structure là déjà là, à suivre bagaille là, et puis ou juste switch un bouton, et puis la communauté a organisé pour répondre directement, pour le faire plaidoyer, l'icône qui côté, l'icône qui pour ça. Donc réponse là, c'est oui. Kounya, est-ce que bon effort qu'on ça cap fait dans la communauté là? Absolument. Donc, il y a peut-être 2 ans de ça, si je ne me pas trompé, moi, que c'était novembre 2021, Fondation Kellogg, là, justement, a dit comment nous capables, est-ce que y a une organisation ou bien un consultant qui a gardé l'histoire communautaire, qui a gardé qui ça que nous fait, qui bataille que nous gagnons, qui ça que nous gagnons comme réussite et qui ça que nous gagnons comme faiblesse, pour nous capables proposer une structure qui est capable de répondre à besoin ça que vous parlez. Et puis, donc, Havdi, avec une série de l'autre organisation qui, dans Washington DC, dans Floride principalement, et en pile acteur leader qui te vive moment de crise réfugiée, ça, vient mettre tête ensemble pour y répondre à demande de Kellogg, ça, y a gagné, ça y aurait les RFP, là. Et yo rentre dans un contrat avec Fondation Kellogg pour yo faire recherche sur communauté
et pour yo proposer qui genre de structure que nous ta ka gagner. Donc et une fois dit que yo te fait avec des organisations tant pour Focal avec université Kiskeya avec le Plenish 509 qui en Haïti tout. Donc yo interviewé une série de monde, nous fait une enquête, ça y est, on survey, nous parler avec communauté dans tout côté, dans tout coin aux États-Unis pour nous capable répondre à question ça. Comment nous pas organiser pour monter une structure de coordination de voix nous pour que voix nous cap plus fort j'en dire. Donc là nous en phase côté que nous remettre rapport là by Fondation Kellogg. Pour tourner sur nous, pour que nous-mêmes, à ce moment, tout le monde dans la communauté a pu parler avec eux sur ça, pour nous capables de bailler au rapport, pour nous capables avancer, implémenter les recommandations. Ouais, c'est super, super. Pour présenter ce matin, et on touche trois points qui sont très intéressants, et nous avons parlé de. On dit que la communauté est assez jeune, si on va avec me faire des imprimantes, comprendre que la communauté est très jeune, et on touche point que nous avons un ensemble d'organisations, et qu'on y a qui commence à arriver dans un niveau de maturité, ça, et nous, well, à travers, et nous avons dit le travail que tu as fait à d'ici à Haïti Diaspora Collective, côté que c'est Havdi, en collaboration avec toute organisation sont mentionnées là, qui t'a fait et travaille ça avec Kellogg Foundation. Et donc, c'est. Donc, point ça, je crois que c'est pour parler un petit peu plus de nous comme communauté, pour parler de qui bon qui arrive et ensemble, qui ça nous a fait. Mais malheureusement, et Ariel, tant fait nos défauts, nous pas de parler de tout ça, nous besoin de parler. Il faut nous tourner encore, ou bien pour parler avec nous de Haitian Ladies Network, et une plus grande ensemble de femmes de haïtiennes ou bien de descendants haïtiennes. Qui là aux États-Unis, on a 25 000 ou plus femmes qui font un programme chaque année qui fait éclat. Madame, moi, fait partie de lui, petite fille, fait partie de ça, tout. Donc, et n'a pas parlé de ça, malheureusement, encore, tant fait nos défauts. On a promesse un pile matin pour présence. Et par contre, si vous avez un dernier mot qu'on peut ajouter pour nous, et puis Yves ou bien Pierre Renel, qui est intervention que nous avons fait avec Madame et Ariel Dominique. Alors, dernier mot, c'est que, moi, je dis au début, moi, j'ai une grande négociatrice qui fait un pile négociation pendant la situation gaz d'Israël. Et moi, j'ai moitié juif, moitié palestinienne d'ailleurs. Et puis, moi, j'ai dit, mes amis, gardons catastrophe, moi, désolé, ça a passé là. Il dit, oui, oui, très, très grave. Et moi, j'ai une famille dans l'armée, moi, j'ai l'autre famille qui Gaza. Mais au contraire, dans des moments de crise extrême comme ça, c'est le ça que tout acteur ouais que bah elle a pas qu'à continuer comme ça. Donc Jordanien a commencé par proposition, Égyptien a par proposition. Donc c'est au moment que qui a des opportunités, bien que c'est des moments de non seulement crise mais de catastrophe humaine. Mais c'est même bagaille pour Haïti. Aujourd'hui, nous au moment de crise et d'opportunité. Et opportunité dans le sens que c'est moment justement que pour capitaliser pour nous joindre réponse à yo, pour nous continuer travailler ensemble, pour nous continuer à aller, pour nous capables de joindre. Encore mille merci et Ariel et pour une prochaine fois et n'a faut qu'on aime d'a bien autant recevoir la semaine vina yo. Donc faites si temps disponible pour nous s'il te plaît. Et encore, et à auditeur Nio, merci pour écouter nous, merci de téléspectateurs. Et encore, c'est Jeff Lozama pour petit segment de Haitian Coffee News. And Do It Community. Et tout dit, justement, dans ce sens, ça, tout dit Madame Dominique, justement, c'est dans, et pour, et dans l'optique, ça, et segment Doing Community, en fait, dans Haitian Coffee News, pour que nous gagnions voix, nous, parce que nous avons une plateforme qui est sur un million écoute, et pour nous mettre le plus, et puis pour nous capables de mettre ensemble pour voix, nous, vivre plus fort, parce que c'est vrai, nous jeunes, mais si nous plus, voix prend le plus fort. Qui tout là depuis longtemps? Kit nou vini sa fè kèk tan. Kit nou vini sou Biden, nou tout se yon sel. On fè yon bel kominote. Doing community.
Jeff Lozama, que Haitian Coffee News a porté pour nous chaque jour depuis lundi pour arriver jeudi. Haitian Coffee News, sous Kiwewe Radio. Let's do a great community. Haitian Coffee News, n'a fait la viron, fait viron tout côté qui gagne ici sur la terre. Haïti, Bruno Pierre, Daniel Darius et puis yon Deep Dal correspondant dans toute province. New York, Eden's Deba, Jean-Baptiste Romarin, Jean-Claude Junior Vaval. Philadelphia, Jean-Venel Casseus, Philippe Moussignac. West Palm Beach, Maryse Balthazar. Orlando, Jean-Junior Lafortune, Derby du jour. Indiana, Marie-Ludie Montfort, Jacques Adler Jean-Baptiste. Dit Gongon, Postpadichon. Boston, Jean-Samuel Trizil. Canada, Jean-Wesley Delva, Guillaume Amboise. France, Panel Lindor. Haitian Coffee News n'a fait l'aviron. Fait l'aviron d'été. Tout côté qui est haïtien sous la terre. Nos gains correspondants pour bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Moment arrivé pour nous retourner à Port-au-Prince avec un correspondant nous en image qui pral fait nous vivre la rue, Routio, Mounio, activité aussi gagne encore. C'est Jeff qui a rejoint. Caméra Jeff l'a déjà branché sur ville. Voilà. Première image, il est arrivé. Jeff, ou avec nous. Là, nous sommes Delma 32, c'est ça. Delma 32, nous avons regardé l'image qui montre une zone qui est un peu différente par rapport à. Image qui est habituée affichée pour montrer nous dans Delma 32 donc nous cap comprendre ça hier soir pour ouvrir matin il y a un pile tir et zone ça et c'est une zone bandio de même mieux gagné contrôle puisque là nous connaît gagné principal gang barbecue à diriger qui gagne contrôle en bon parti dans zone ça nous rejoignons Jeff. Jeff, nous dans Delma 32, c'est ça. Son caméra Jeff là, n'a pas gardé image d'Elma 32, nous ouais, motocyclette, taxi, nous ouais, machin yo qui retournait dans bol à ouïan, nous ouais, machin yo qui a avancé difficilement, donc ça a montré qu'il y a un petit blocus, donc activité yo qui est différent par rapport à image qui vient de nous du centre-ville de Port-au-Prince. Oui, nous recevons Koulia, oui Jeff, nous dans d'Elma 32. Delma 32, c'est ça, c'est oui, l'image Delma 32 n'a pas gardé là. Oui, m'a salué tout super. Oui, n'a salué tout super près chez Haitian Coffee News. Et une autre fois encore, nous sommes sortis pour fournir, regarder comment ça y est dans Port-au-Prince. Comme dit, nous très bien, et dans différentes zones que nous sillonnons déjà, yo, c'est en Port-au-Prince, un monde passé, semaine marché sous moi. Et nous avons commencé au niveau de Klessin, nous connaissons la zone ça, qui est même passé à l'aide sous lui parce que la population toujours a subi assaut ensemble avec Zamio. Et au niveau de Klessin, nous avons pris la route de Maïgatea pour nous recommencer. Et bien, sur toute la route de Maïgatea, nous avons course en vie. Et dans la zone MSPPA, qui c'est au ministère et l'État, c'est nous avons dit depuis bien des temps, zone ça, les mêmes tournées cimetières. Tournées cimetières parce que chaque jour, plus de cadavres a augmenté dans la zone ça. Au matin, là, nous passons, nous TK et Wegen, plus passé en dizaine de monde. Qui ont même allongé une dizaine de corps sans vie, qui ont allongé, qui ont commencé à brûler, nous même remarqué ça avec Minot dans le même. Nous continuons à monter, nous passons toute Pétionville, nous avons regardé comment l'activité est. Au niveau de Delma, autour de Delma, c'est machin qui compte sous le toit et après fait surface petit à petit. Et au niveau de Pétionville, l'activité à Antigen, a fonctionné au ralenti et banque et l'ouvre porte à demi et
on l'autre fois en constation gazio yo même nous ca contrôler quantité qui ouvri au niveau de auto de Delma et nous a t'a continuer descendre toujours là au niveau de route Boudon pas loin de résidence officielle premier ministre nous t'a pas joindre un cadavre qui est même allongé sur le sol. C'est un jeune garçon, on dit qui a mi-trentaine et qui est même bien dans le sol. Nous continuons, nous passons au niveau de Delma 32. Et dans le cas, comment et ça y est, et Port-au-Prince qui a essayé, sous quelle colle qui a essayé, et reprendre quelques activités. Et nous connaissons Port-au-Prince bien longtemps là depuis les contrôler à 80% et par gang d'Améo que la police nationale lui-même qui a essayé fait si sous que quoi et yo sorti un rapport là côté un rapport yo dit yo commencé dans opération commencé depuis 29 février arrivé 26 mars là yo mené ensemble avec plusieurs opérations qui t'apprend et gagné 17 et bandits qui ont même l'autre dit qui blessé mortellement et yo saisi puisque à 22 âmes et non mais bandits ça et gagné parmi matériel qui ont saisi gagné en véhicule. Donc pour qu'on y a oui, ça c'est bilan la police présenté toujours. Et Jeff, ça c'est bilan la police présenté sur ensemble d'opérations les mener et là on a regardé et côté nous y est sous Delma, donc nous pas ouais la police habituellement dans en temps de troubles comme ça la police est présent et nous t'a aimé garder différence qui gagne entre côté où y est là à centre-ville de Port-au-Prince ou bien Piba Delma Piro Delma donc est-ce que là pour y a ça n'a regardé là les différents pour Champ de Mars comparativement à Delma. Oui, c'est comme ça situation et c'est parce que dans toute point il y a qui comme ça. On dit Sinderson Piba Clestin là pas gain vie. Sinderson et Piba Kafa au pont pas gain vie. Mais au niveau de Delma, à peine son ville c'est là qui au moins gain un petit souffle de vie côté population a essayé. C'est ensemble avec toute prudence, il a essayé. Ou est comment te ka vaquer ensemble avec occupation. Il y a des gens même qui dit nous si on est comme sorti dans la rue depuis à 5h du matin, on sorti de préférence à 9h. Si on est comme entré à 4h, on entré 2h. Pour ça parce que on essayé et à suivre ensemble avec y a adapté ensemble avec situation que a fait face jeudi là. Et jeudi nous remarqué quelques points fixes. La police, on dit, au niveau de Delma 33, zone TNH, son zone lui-même qui toujours gagne de policiers là. Nous remarquons que les policiers sont bien bonnes matières. Et dans la zone où nous passons, au niveau de celui de Gonzague, nous remarquons que les trois policiers qui ont essayé de faire une circulation. Là encore, nous dans la zone Delma 33, et Rissa qui lui-même mené. Avec palais municipal, nous avons remarqué qu'il y a des policiers qui a. Merci Jeff, c'est là, on a mis ton bout et on a fini plus bonheur que d'habitude. Étant donné que nous avons rendez-vous pour nous aller prendre avion, nous pour aller à New York et nous pour aller pour un événement encore du genre ça nous a créé dans Chou Black restaurant, nous pour aller faire votre signature. Livre La Fortune écrit sous Afemnan qui a retiré musique dans oralité, j'en dis. Pour le mettre dans la littérature. Dans littérature. Et bonne nouvelle, c'est que moi, pour parler avec Fabrice, qui est d'accord pour nous aller travailler sur 37 ans musique là. Donc, on a continué. Donc, c'est 30. c'est samedi 30 mars, samedi de l'eau bénite.
Mais peut-être mon c'est à Malvern 25 à der côte et puis n'a continue faire doing community tout l'autre bois et puis n'a pas chercher partenaire pour Asian Coffee News et parce que d'ici quelques temps il faut que toute diaspora connaît yo gain propre journal va yo. Le journal de la diaspora. N'attend tout le monde, vini pour livre, vini pour nous parler, vini pour nous causer et pourquoi pas, vini pour nous café ensemble. Pour, oui, la bonne oui. Direct sous page Pierre Renel, René le professionnel là. Donc c'est en image n'a fini journal là avec Port-au-Prince, c'est Jeff qui était avec nous, Jeff qui continuait à piquer sous Delma 33 et c'est sûr que là la pral débouché sous Gérald Bataille, nous plus ou moins gain on idée comment Port-au-Prince d'un niveau Delma réveillé pour matière. Jusqu'à présent, c'est Delma qui plus ou moins Delma plus ou moins en pile qui travaille pour capable gain on correspondant dans chaque rue, dans chaque côté. Parce que Haïti, c'est les enfin Haïti, c'est la c'est diaspora. La diaspora, c'est Haïti, parce que même si on a quitté Haïti, Haïti n'est pas quitté. Et à partir de la semaine qui a fini là, on a invité une capable de recevoir le Port-au-Prince en direct. Et c'est comme s'il était dans le studio là, dans Fort Lauderdale. Yes, this is what we are about to do. And thank you for being here with us. Bon week-end. Et puis, bon, mon gars, l'église à l'église, qui a jeté de l'eau. Bah ça Haïti a bon c'est ça Pierre Nel quoi et Guiwe est sceptique moi-même me pose des problèmes de manière scientifique non pas c'est Yves Lafortune les mécrims c'est Yves Laf malé moi c'est Pierre Nel René moi ben nous rendez-vous New York hein, pour nous parler livre pour nous manger ensemble pour nous causer donc passer un bon week-end saint donc une bonne semaine sainte donc tradition Likembe. En dehors de pays, nous plus ou moins été attachés avec le principe ça. Donc, catholiques, chrétiens, au bras de l'église. Nous voulons excuser nos prêts de ministre Camille Édouard, ex-ministre Camille Édouard, et nous avons lundi. Et nos excuses, nos plates excuses lundi, for sure. À bientôt. Haitian Coffee News. Dorénavant, c'est avec une tasse café bien chaud, nous prenons l'informé. Haitian Coffee News sous Guiwewe Radio pour tout ça qui a passé en Haïti à tout côté qui vient ici sous la terre. Haitian Coffee News, éditorial Yves Lafortune, toute nouvelle, tout côté Pierre Renel René à toute causée sous immigration. Et puis, tac toc, tac tac. Tac-tac, avec Lydia Alexandre, tec-tec-tec. Chaque matin, sauti 8h pour arriver 10h, lundi pour arriver jeudi, Haitian Coffee News, sous Guiwewe Radio. Sponsor, what you gonna do?